venir ici. Tu crois que le Medjay y réussira? Oui. C'était pas choisi la mort. Il le fallait. J'ai perdu un frère aujourd'hui. Si j'avais agi plus tôt, peut-être qu'il serait toujours là. La foi doit rester vigilante. Voilà ma leçon. Nous allons rebâtir ce qui a été détruit. Mais les soldats, ils ont pris part à tout cela. Et ils réessayeront. Mais reste fort. Ils ont compris qu'il ne faut pas s'en prendre au temple. Sobek aussi, à ses guerriers. Tu m'honores, Medjay. Puisse Sobek t'honorer. La reine des gladiateurs. C'est ici que le crocodile recrute les membres de son armée. Il faut que j'en apprenne davantage. Chef, il nous faut d'autres combattants. Ils tombent les uns après les autres. Alors trouve-moi des combattants qui savent se battre. Veridovix, loyal serviteur de la mort. Sa faux s'abat sans pitié sur les faibles. Diovikos, l'incarnation du guerrier. Ses poings sont plus meurtriers que n'importe quelle arme. Oh oui. Pardon, Nebet. Tu peux me dire quel est cet endroit? Ça ne se voit pas. Tu as devant toi une arène de combat romain. Je trouve ça plutôt barbare. Mais nombreux sont ceux qui viennent en ces lieux pour oublier leurs soucis. Jadis, c'était un temple. Pourquoi les choses doivent-elles changer? Okay.
Hé, Neb, que peux-tu me dire sur les hommes qui se battent ici? Des hommes? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. On n'a jamais vu de guerriers aussi féroces. Ils pourraient te briser l'échine d'un coup de poing. Ah, est-ce que l'un d'eux a les cheveux roux? Par tous les dieux, tu n'as jamais entendu parler des frères Gaulois? Tu ne sens pas leurs regards? Leurs statues sont là, derrière moi. C'est toi, le propriétaire? Oui, c'est bien moi. Félix Martialis. Qui es-tu? Encore un de ces bons à rien qui cherche à devenir célèbre? Je veux seulement entrer dans l'arène. On raconte que l'un de tes combattants est prodigieux. Les cheveux roux. Ah, j'imagine que tu parles des frères Gaulois. C'est exact. Mais je vais te dire une bonne chose, Chameau. C'est beaucoup trop cher pour toi. Alors va-t'en, tu vas faire peur aux vrais clients. Chef, il porte un insigne de Medjay. De mettre quoi? C'est censé m'impressionner. Tu sais te battre? Ça se pourrait, finalement, avec tes airs de... chien pelé. Non, non. J'ai déjà une Égyptienne bien féroce. Une chasseresse de Siwa qui en vaut trois comme toi. Si tu as envie qu'elle te fasse mordre la poussière, va lui parler. Elle est près de l'obélisque à l'est. C'est le seul moyen d'accéder à l'arène. Bats-toi dans la rue et un gladiateur te fera entrer. Alors, les frères Gaulois auraient pris part au meurtre de Shadia. Et pourquoi sont-ils à la solde du crocodile? Je dois accéder à l'arène pour le savoir. Le propriétaire a parlé d'une gladiatrice de Siwa à l'est de l'obélisque. Peut-être que je la connais. Siwa n'est pas grand. Je ferais mieux d'aller voir. Partez, allez! À pas d'assurer la sécurité de tous à Crocodilopolis, la ségrégation entre communautés grecques et égyptiennes. Voilà cette femme. Mais... on dirait... Plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans le Fayum? On raconte que c'est un bon endroit pour prospérer. Hmm? Mais je ne m'attendais pas à t'y trouver, Kensa. Que veux-tu? J'ai cédé au charme de la reine. Qui aurait cru ça? Me voilà gladiatrice. Mais viens, viens, allons parler. Et boire.
Ah, Bayek, mon rêve est à portée de main. Si seulement l'occasion se présentait, je pourrais devenir championne de l'arène. La célébrité, la richesse, le luxe, tout ce dont peut rêver une femme, hein? C'est pour ça que je suis au Fayoum, pour me bâtir une nouvelle vie et oublier le passé. Mais on me refuse l'entrée de l'arène. Tu as donc enfin renoncé à essayer de redresser les torts? Bien, c'était une cause désespérée. La confiance de Félix se mérite. Mais ne t'en fais pas. Avec mon soutien, nous nous battrons bientôt côte à côte. En attendant, buvons! Nous irons à l'arène demain matin et je ferai les présentations. Ah, je suis heureuse que tu sois ici, mon ami. S'installeront dans les nouveaux quartiers rénovés au nord de la ville. Les Égyptiens se joindront à leurs frères, au sud. Je veux que cet homme soit mon partenaire. Il se trouve que ce pauvre crétin d'Ibère a été mis en pièces par des lions. J'ai peut-être une place pour toi, et si Kensa se porte garante. Si vous faites équipe tous les deux, il va falloir qu'on vous trouve un nom. Que dites-vous des guerriers de Siwa? Je crois que gardien de Siwa serait plus approprié. Ce sera assez marquant pour toi. Ça ira, j'ai déjà entendu. Allez, entrez. Ici que les combattants attendent leur tour dans l'arène. Ça sent le sang, la sueur et parfois les excréments. Et pour ceux qui ont tendance à faire dans leur armure, c'est ici que ça se passe. Aucun pharaon ni aucun dieu ne pourra te protéger dans l'arène, Medjay. C'est probablement ici que tu mourras. Tâche de le faire avec panache, la foule adore ça. Si par hasard tu survis au combat, t'auras droit à la célébrité et à la gloire. Et tu pourras toujours mourir au prochain spectacle. Telle est la vie des gladiateurs. Brève, mais rayonnante. Très bien. Bon, qu'avons-nous là? Ah, voilà Callistos. Callistos, ancien soldat de Ptolémée, prétend savoir se servir d'une épée. Horus, il a été mon meilleur combattant, mais là je n'épargne personne. Aujourd'hui il ne vaut plus grand-chose, alors il entraîne les débutants. C'est une armure de l'armée de Ptolémée? La plupart des combattants n'ont pas de quoi s'en offrir une.
Et puis tu sais bien qu'elle ne dure jamais longtemps. L'armée peut bien se passer de quelques armures. Et ça apporte une touche d'authenticité. À propos d'authenticité, tu te battras uniquement avec les armes que je te donnerai. Je ne tolère aucune exception. Tu connais déjà Kensa. C'est sa recommandation suspecte qui t'a ouvert les portes. Vayek, Crocodilopolis accueille un nouveau champion. Ou un autre gros tas de viande en sursis. Je veux savoir s'il sait se battre. Pour en juger, qui de mieux que la grande spécialiste qui l'a recommandé? Ha ha! Qu'en dis-tu? Tu es prêt à faire teinter ta lame, vieux Medjay? Voyons si tu as fait des progrès. Allez, tu peux me voir. Pas mal, vieux Medjay. Pas si vieux que ça. Nek, j'ai bien cru t'avoir. Ton style manque de classe, mais tu es vicieux à souhait et plutôt efficace pour un chien des sables. D'accord, Kensa. Tu as un nouveau partenaire. Les portes ouvriront bientôt. Soyez prêts! Voilà les miettes que Félix va jeter sur notre passage! Ce sera une pitance bien maigre, frère! Je vais te trancher les bourses et te les faire manger. Le principal obstacle à notre gloire. Les frères Gaulois. J'en ai entendu parler. Tout va bien, mon ami? Tu as l'air distrait. Ne t'en fais pas. Tu te sentiras beaucoup mieux après le premier combat. Je vais très bien. Mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu es venu ici. Ça, c'est une longue histoire. J'ai été réduite en esclavage du temps où Ptolémée régnait à Siwa. Une crapule du nom de Septimus et son clan de voleurs avaient des vues sur moi. J'ai réussi à m'emparer d'une épée et à m'enfuir. Je suis arrivée ici et Félix a accepté de m'entraîner. Mais on a assez parlé du passé. Si tu savais comme je suis heureuse de te faire profiter de cette occasion, bientôt la foule te vénérera. Presque autant qu'elle me vénère. Oui, oui. Ensemble, nous fendrons le soleil de nos épées. C'est ce que j'aime entendre. Allons dire à Félix que nous sommes prêts à nous battre. Plus tôt nous commencerons, plus tôt nous serons champions. Ah, le nouveau de Siwa. J'ai hâte de t'humilier encore et encore. Je ne fais que plaisanter. On est obligé de se battre là-bas, mais c'est une raison de plus pour se serrer les coudes ici. Heureux de te l'entendre dire. Mais pourquoi un soldat de Ptolémée risque sa vie dans l'arène ? Je n'aime pas obéir aux ordres, et l'armée n'a pas apprécié. J'ai une famille à nourrir, alors me voilà. As-tu déjà affronté les frères ? Viridovix et Diovikos. Apparemment, j'en suis pas digne.
et je trouve que c'est très bien comme ça. Horus, pas vrai? Félix dit que c'est toi qui nous entraîne. Pas par choix. Les frères Gaulois m'ont eu à la tête. Sans l'intervention de Félix, ils m'auraient tué. Que peux-tu me dire sur eux? Ne te bats pas contre eux. Ils sont forts, rapides, et ils aiment tuer. À leurs yeux, tout cela est drôle. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts. Tout le monde se croit prêt jusqu'à ce que le sang et les tripes se mettent à couler. Vous allez débuter contre des novices. Si vous survivez, on aura l'occasion d'en reparler. Deux guerriers, seuls contre tous. La foule aime les combats inégaux. Alors ne décevez pas la foule. Ni moi. C'est leur sang qu'ils réclament, ou le nôtre? Peu leur importe, il n'y a pas d'innocence. Ne retiens pas ta lame. Eux ne se gêneront pas, pour ceux qui se battent ici connaissent les risques. T'es vite habitué à cette nouvelle vie. Il suffit de les regarder. Ils m'adorent, Maïev. Les hommes, les femmes, de tous les hommes. Les gladiateurs sont envoyés en mission spéciale et gagnent plus d'argent que tu pourras jamais en dépenser. Alors faisons en sorte qu'ils nous remarquent. Les frères Gaulois avant d'avoir battu d'autres cargaisons de menaces. Votre franc, j'espère que vous réussirez. T'arrêteras peut-être de me casser les noix. Que faut-il faire pour les affronter? Par le sang de Dieu, toi aussi? Pensez plutôt à votre prochain combat. Puisque vous me harcelez, je vais vous ajouter des lions, des gros. Les affames depuis des jours. Vous serez leur dîner. Venez me voir quand vous serez prêts. Si Kensa dit vrai, le crocodile a pu engager n'importe lequel de ses gladiateurs. On trouverait peut-être des preuves de l'implication des frères Gaulois. Et peut-être même l'identité de leur mécène. Ah,
Nous sommes sur la bonne voie. Après tout ce temps, je vais enfin pouvoir me battre contre ces Gaulois. Tout ça grâce à toi. Moi aussi, ça me plairait beaucoup. Mais que sais-tu au sujet de ces contrats dont tu m'as parlé ? Oh, Bayek, le justicier, serait prêt à se salir les mains ? Les temps ont changé, Séni. J'imagine qu'on ne peut pas rester Medjay éternellement. Tu vas devoir en parler à Félix. Mais sois discret. Le meilleur moyen d'atteindre le crocodile est de battre les frères Gaulois. Comme si j'avais besoin d'une raison pour égorger les meurtriers de Shadia. Oh. Tes débuts sont impressionnants, Siwa. Je suis un peu envieux. Mais j'ai besoin d'argent, et vite. Il paraît qu'on propose à certains de travailler hors de l'arène. Tu as vite appris nos secrets, mon ami. Nous ne sommes pas censés en parler. Mais des occasions se présentent de temps en temps. Et je pense que je vais bientôt pouvoir en profiter. Tu sais qui propose ces contrats ? Si ces gens agissent dans l'ombre, ce n'est pas pour rien. Personne ne sait qui ils sont. Suis mon conseil. Si tu as la chance d'être choisi, fais ce qu'on te demande. Prends l'argent et tais-toi. Alors, tu te sens en forme ? Tu prépares ton ascension au sommet ? Crois-moi, ce qu'on fait n'a rien de noble. Nous sommes des mercenaires, rien de plus. Des mercenaires, des épées au service des riches. Je vois que tu es au courant. Suis mon conseil, refuse ces offres. C'est une dune glissante. J'ai vu mourir des hommes bien. Bats-toi et rentre chez toi. N'accepte pas ces contrats. Félix, il paraît qu'on emploie des gladiateurs à d'autres tâches. C'est des rumeurs. Et même si les rumeurs étaient vraies, t'es encore loin d'avoir fait tes preuves. Bon travail, espèce de chien galeux. C'est de te battre, rien de plus. L'or se gagne dans l'arène. Il se gagne pas ailleurs. Alors j'irai dans l'arène. Nous sommes prêts. Bien. Les propriétaires de l'arène de Sirène s'intéressent à vous. Offrez un bon spectacle, on en profitera tous. Des lions. Seulement quand Félix en a. Ils coûtent bien plus cher que les hommes. Eux, ils ne mangent pas. Aucun ne peut racheter des animaux. C'est tuer ou se faire des bosses. De toute façon, ils sont en cage. Tout ira. Du moment où on les libère pas. Je croyais que les lions devaient être en cage. Il n'y a pas de règles dans l'arène, Séni.
Les gardiens de Siwa ont de nouveau gagné! Les frères Gaulois seront-ils les prochains? C'est Callistos ? Que s'est-il passé ? Je l'avais prévenu. Il a accepté un sale travail. Nous ne sommes que des armes sans âme qu'ils brisent contre leurs ennemis. Tu sais qui l'a engagé ? Non. Et Félix ne le dira pas. C'est comme ça. Certains meurent, d'autres deviennent riches. Et tout le monde se tait. Où est Kensa ? On a besoin de ses talents ailleurs aujourd'hui. Tu vas devoir te battre tout seul cette fois. Ça va bien se passer. Une autre mission ? Comme celle qui a tué Callistos ? Surveille tes paroles, tas de viande. Ce qui est arrivé à Callistos, c'est regrettable. Et il connaissait les risques. Les combattants trop curieux ne vivent jamais très vieux. C'est un métier qui peut être dangereux. Il y a des accidents. Je ne demande qu'à faire mes preuves. Alors gagne ce combat. T'auras ta chance face aux frères. Si tu les bats, on te remarquera. Ça va s'en tirer. Par Anubis, il faut que je gagne. Come on!
désolé de t'avoir laissé seul, mais on dit que tu as fait des prouesses. Félix t'avait confié une tâche. Pour le compte de qui ? Je te dirai tout en temps voulu, frère. Mais sache que notre avenir n'a jamais semblé aussi radieux. Donc, c'est votre tour d'affronter les frères. Je ne vous souhaiterai pas bonne chance. Vous n'en aurez pas. Mais voici un conseil. Ensemble, ils sont invincibles. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Séparez-les. Affrontez-les. Un à la fois. Vous survivrez peut-être. Merci, Horus. Mais sois tranquille. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Oh. Il y a bien pire que la mort. Soyez prudent. Tu t'es bien débrouillé pour un petit rat du désert. Votre heure est venue. La foule en a assez de voir Viridovix et Diovikos écraser leurs adversaires. Je compte sur vous pour renouveler sa ferveur. Encore une chose, pas de mort. Je tiens à garder mes 4 meilleurs combattants en vie. J'ai donné le même ordre aux frères gaulois. D'accord, nous ne te les tuerons pas. Mais pour ce qui est des souffrances et de l'humiliation... Ça y est, Bayek, notre heure de gloire. On nous construira des monuments et on inscrira nos noms dans les temples. On sera riche, on sera célèbre, on sera des champions. Voici les prétendants à la couronne. Les gardiens de Siwa. Invaincu, inégalé, voilà les frères Gaulois. Thank you.
les frères Gaulois ont été vaincus. Tu as tué la petite Shadia. Vous méritez au moins la mort. La petite près du phare. On l'a pas tué, je le jure. Nous avons fait des choses terribles, horribles. Mais ce n'est pas nous qui avons tué cette petite. Saluez les nouveaux champions. Oui, les gardiens, c'est vrai. Siwa. Nous avons vu les soldats capturer cette fille et l'amener à Berenike, au crocodile. C'est elle qui a noyé l'enfant. Elle a pris un livre, puis elle a ordonné qu'on attache une pierre à ses chevilles et qu'on la jette à l'eau. Nous, on n'a rien pu faire. C'est pour ça que tu es venu à moi, n'est-ce pas? Pour démasquer cette mécène, ce crocodile. Bayek, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, hein? J'aurais pu t'aider. Tu es une mercenaire, alors, tout comme eux. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Quel sera le sort des vaincus? Non! Vont-ils vivre? Bayek. Ou mourir? Tu me connais mieux que ça. Mourir. Bayek, il faut que tu saches! Thank you.